Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué dans cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes en train de postuler chez L'Oréal pour des stages et vous avez dû remarquer l'offre en développement industriel et vous vous êtes posé la question, mais qu'est-ce que c'est le développement industriel? Ne vous inquiétez pas, je vous rassure que j'étais à votre place quand j'ai postulé pour cette offre et je me suis posé la même question. Donc après 2 stages en développement industriel, je vais vous en parler plus en détail dans cette vidéo. Allez-y! Donc, j'ai fait 2 stages en développement industriel. Le premier en tant que développement décor pour La Roche-Posay et le deuxième en tant que développement produit à Lancôme. Et en fait, le développement, c'est au cœur des opérations et c'est eux qui font le lien entre la marque, donc le marketing, et toutes les équipes opérationnelles. Donc, on va commencer avec le chef de projet développement produit qui est aussi connu comme le chef de projet technique ou opérationnel. En fait, il ou elle est un peu comme un chef d'orchestre qui coordonne toutes ses équipes opérationnelles, enfin ses équipes projets, dans le développement d'un produit, que ce soit un lancement, une rénovation, une extension de gamme ou aussi un projet d'innovation. Mais qu'est-ce que c'est développer un produit? Selon Internet, du coup, le développement produit, c'est un processus qui consiste à donner vie à une idée de produit innovante pour commercialiser le produit fini sur le marché. Donc, selon moi, en fait, c'est prendre une idée, un concept venant des équipes de marketing et le rendre concret et arriver à l'industrialiser. Parce qu'à L'Oréal, on ne fait pas 10 pièces ou 15 pièces, on essaie de faire des centaines de milliers, de millions de pièces parfois. Pour ce faire, il travaille en binôme avec son dev décor et toute son équipe projet opérationnel. Donc, il coordonne toutes ses équipes, d'où la référence chef d'orchestre. Maintenant, on va passer au développement décor. Alors, lui, c'est le chargé de toute la partie développement des décorations, donc c'est-à-dire tous les composants qui constituent un produit. Par exemple, là, on a un sérum de Lancôme et dans ce produit, on a un dropper, on a une bouteille et peut-être ce produit est vendu aussi dans un étui. Donc le chargé de développement décor, il va s'occuper de toute la partie esthétique d'un produit. Donc le dev décor, lui, est en contact très proche avec les fournisseurs ou les sous-traitants parce que c'est avec eux qu'ils vont planifier les essais, qu'ils vont valider les teintes, des panoplies de défauts. Et c'est aussi celui qui est responsable de la gestion de nomenclature d'un produit. C'est très important de garder une bonne traçabilité. Donc c'est le dev décor qui s'assure que son produit est bien enregistré dans les systèmes de traçabilité de L'Oréal. Si j'essaie de vous donner un exemple du cycle de vie d'un développement produit, ça commence avec le marketing qui va venir avec son brief, avec son idée, une maquette. Ils vont dire « Coucou les dev produits, nous on a cette idée, on a ce concept, on souhaite développer, lancer ce produit pour telle et telle date. Est-ce que tu peux nous donner une estimative de combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre pour lancer ce projet ?» Donc ensuite, le dev produit va aller voir, il va aller essayer de construire un prix estimatif et aussi un planning estimatif par rapport à des produits et des projets déjà existants dans le groupe et ils vont dire bah, « Du coup, je pense que ça va coûter tel et tel prix, ça va prendre X ou Y mois pour développer ce produit. » Ensuite, ils vont aller discuter avec les équipes de projet pour savoir est-ce que cette maquette que le marketing nous a donnée, est-ce que c'est vraiment faisable ou pas? Et c'est là où il y a le développement décor et aussi le packaging qui vont intervenir et ils vont dire « Ah, attention, ça c'est trop compliqué, la forme ici c'est pas bon. » Donc après, le dev décor, il va arriver, il va dire « Ok, du coup, pour atteindre ce niveau de brillance, il faut utiliser telle et telle technique de décor. » Les équipes opérationnelles, bah, ils vont travailler, ils vont essayer de voir ce qui existe dans la vraie vie, ce qui est faisable dans l'industrie et ils vont trouver tous ces aspects qui peuvent potentiellement répondre au brief marketing. Donc dès qu'on commence à se dire « Ok, ce projet il est faisable, on va travailler dessus », les achats ils vont commencer à faire les consultations des fournisseurs si besoin pour voir quels fournisseurs peuvent mieux répondre au brief de marketing. Et en même temps, il y aura le supply et opérationnel planner qui vont faire des estimés sur les quantités, qui vont suivre un peu la tendance du marché pour savoir peut-être « Ok, pour ce produit, il y a beaucoup de demandes, du coup on va estimer de produire sur telle et telle quantité pour le lancement et ensuite telle et telle quantité pour l'année. » Donc en fait, il y aura tous ces différents acteurs opérationnels qui vont travailler ensemble du début jusqu'à la fin du projet, c'est-à-dire jusqu'à ce que le produit arrive au centre de distribution et il est prêt à être vendu. Et tout au long du projet, bah, c'est le dev qui est au cœur, c'est le dev qui va coordonner tout le monde pour assurer qu'on reste dans les contraintes de coût et aussi de délai. Donc généralement, dans un processus
du développement de produit, plus on avance dans le projet, plus on sait des choses, plus on maîtrise aussi les sujets. Franchement, durant mes stages, j'ai pu travailler avec des devs produits exceptionnels. Genre, c'est vraiment impressionnant comment ils arrivent à avoir toutes les informations, enfin quasiment toutes les informations sur leur projet dans leur tête. Tu leur demandes, c'est quoi la date de livraison de tel ou tel assez? Ils vont savoir, c'est un truc de dingue, vraiment. Moi, personnellement, ce que j'aime le plus, c'est que les jours se ressemblent pas du tout. Du coup, tu vas jamais t'ennuyer. Tu peux avoir des périodes beaucoup plus intenses que d'autres. Et en fait, je pense que c'est un bon équilibre entre un rôle qui est à la fois très challengeant, mais aussi très intéressant. Et si t'es quelqu'un qui aime résoudre le problème, je pense que ce rôle va vraiment te plaire pour le coup. C'est un rôle qui est aussi très axé sur la communication et tu vas apprendre à justement adapter ton discours par rapport à tes interlocuteurs parce que t'auras beaucoup d'interlocuteurs. Par exemple, tu vas pas présenter un argument sur le même sujet au marketing que tu vas faire au fournisseur. Les gros challenges pour moi dans ce rôle, c'est vraiment de répondre au mieux possible au brief marketing tout en respectant les délais, le coût et aussi surtout l'engagement environnemental du groupe. L'autre défi pour moi dans ce poste, c'est la partie communication parce que tu travailles énormément avec les humains et les humains sont très complexes. Donc je pense que la communication, ça joue beaucoup sur la psychologie aussi pour comprendre ce qui est derrière les intérêts de tout le monde. En tout cas, c'est un aspect qui me fascine tout le temps. C'est quelque chose, enfin, différent, c'est plus subjectif. Il n'y a pas vraiment une méthode pour bien communiquer, tu vois. Il faut vraiment essayer de comprendre au mieux possible qui est en face de toi et comment adapter ton message au mieux possible. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à vulgariser ce rôle au mieux possible. C'est un rôle qui est assez complexe et je suis encore débutant aujourd'hui, mais en manière générale, c'est un rôle qui est très intéressant, très passionnant, avec plein de beaux challenges et franchement, moi, je m'éclate. Et en plus, rien n'est plus satisfaisant que de voir tes produits enfin sur des rayons dans des magasins. Ça n'est jamais arrivé pour moi encore, mais ça serait le cas l'année prochaine, donc j'ai très très hâte. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir pu vous donner une meilleure idée de ce que c'est le développement industriel. N'hésitez pas à me poser vos questions dessus dans les commentaires et je vais faire mon mieux pour vous répondre. Et si vous allez postuler chez L'Oréal, je vous souhaite bon courage et may the force be with you. Ciao !